C'est bon, vous aimez? Non. Donc, je souhaite bienvenue à tous les représentants de la presse, que ce soit audiovisuelle, écrite, de la loi de presse, comme on dit. C'est un plaisir de vous recevoir et pour vous présenter le staff pour l'entame de la saison prochaine, Inch'Allah, qui sera qui marquera notre retour dans la Botola professionnelle. Donc, je pense qu'une partie de ce staff, c'est très bien parce que c'est des natifs de la ville. Des gens, des joueurs sur lesquels le club a compté, des encadreurs sur lesquels le club a compté parce qu'ils ont réussi un parcours exceptionnel dans les deux dernières années qui a permis au club de retrouver le Botola Pro, et d'autres qui ne sont pas moins connus, qui sont peut-être aussi, voire plus connus, mais que vous n'avez jamais côtoyés, qui font faire l'objet de la présentation de vous. Alors, permettez-moi de vous présenter le chef d'orchestre qui officiera l'année prochaine au nom du club, ce sera M. Marco Simoni. Je vais vous laisser pour poser vos questions au staff et juste après une dernière présentation, on va offrir un maillot à M. Marco et après, bon, ils seront au staff pour répondre à vos questions. Comme il dit, ça ne lui change pas beaucoup parce que notre maillot est un maillot qu'il connaît très bien et c'est des couleurs qu'il a porté très cher dans son cœur. Et ben j'espère qu'il connaîtra la même joie avec notre équipe. Inch'Allah. Bonjour, buongiorno, et je comprends le français et l'italien. Et merci de la présentation d'abord du président. Très content d'être là, d'être choisi par le président pour démarrer cette nouvelle saison avec le retour du club. C'est un club important au Maroc, comme un mauvais gars dans l'élite, dans les championnats pro. Donc, moi avec mon staff, on arrive avec beaucoup d'enthousiasme pour cette nouvelle aventure. Je tiens à préciser que quand je dis moi mon staff, ce n'est pas moi, Patrick Reagan et Stéphane Borto, mais c'est aussi justement Saïd, Tarek, Rachid et Nordi. Une petite expérience dans un pays que vous connaissez bien, c'est la Tunisie. Mais les compétences, les savoir-faire, les connaissances de mes collaborateurs, on dirait local, seront sûrement les plus pour améliorer le plus rapidement le travail avec l'équipe. Coach, après votre arrivée au Maroc, est-ce que vous avez une idée sur le football marocain? Le football tunisien, plutôt le football marocain. Bien sûr, je connais le football marocain parce que, autant qu'ancien joueur et aujourd'hui coach le plus éteint, c'est un football qu'il a amélioré énormément sur les dernières 10 ans. Et les résultats, au-delà des victoires ou pas de l'équipe nationale, ça montre que le football marocain, c'est un football d'élite. Je suis convaincu que le Maroc, c'est un pays de football, c'est un pays qui a des similitudes avec le football italien parce qu'il y a de la passion, il y a de l'amour pour cet sport. Et aujourd'hui,
associé à l'arrivée de pas mal de coachs étrangers, le football techniquement et pratiquement marocain est amélioré. Cheba Mohamedia, c'est l'élite 2, Boutola 2. C'est pas la première division, c'est pas le Wydad, c'est pas le Raja. Donc, vous avez accepté dans un objectif précis, un défi. C'est pas la Boutola Pro, pas la Liga, mais je suis arrivé là, j'ai accepté ce défi, j'ai accepté ce projet, parce que justement l'objectif c'est de remonter en Liga. Tâche qui est dans tous les championnats, c'est pas facile, parce que gagner dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle catégorie, et ça demande une saison exceptionnelle. Donc, c'est sûr que l'objectif de mon arrivée ici en Boutola 2, c'est de monter immédiatement. Mohamed Chakoun, Ipenden. Monsieur le coach, est-ce que vous avez une idée sur le championnat de deuxième division? Par contre, il faut mettre à votre attention que ce championnat de deuxième division est plus dur que la première. Par exemple, il y a le MAS, il y a le COQ, il y a le CEMA, il y a des équipes fortes, des équipes fortes qui voudraient monter en première division. Est-ce que vous avez une idée ou comment vous voyez? Je répondrai que j'ai plein connaissance de la championnat de Ligue 2, mais c'est vrai que j'ai une connaissance générale que dans tous les pays, la Serie B italienne, la Ligue 2 française, dans tous les pays, forcément la Boutola 2, c'est des championnats plus durs par rapport à la Ligue 1, parce que il y a des paramètres plus difficiles à contrôler. Je parle par exemple sur la qualité des joueurs, je parle sur le plan technique, je parle par rapport à la connaissance tactique. Donc c'est sûr que le travail est le plus difficile.